Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur g2a.com, le lien est dans la description de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Isor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Et cette fois-ci, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais parler de ma dernière vidéo que j'ai sortie sur Rust où on m'a dit que je me givais, que je trichais, etc. par rapport aux autres joueurs. Donc j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Donc voilà, si j'en parle, c'est que c'est vraiment important pour moi. Je veux que les choses soient claires. Hein. Si c'était vrai que je me give, je pense que j'essaierais de me faufiler et ne pas parler du sujet alors que c'est tout le contraire. Donc je suis accompagné de Zobins durant cette vidéo. Salut à toi. Yo. Donc Minard qui joue avec nous également n'a pas pu être là. Donc on va vous expliquer un petit peu surtout comment Zobins et Minard ont réussi à faire que la base soit en métal HQ, en tout cas toutes les fondations. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, le wipe a été il y a très peu de temps, c'est pas possible que vous ayez pu modifier la base. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le wipe s'est fait le 1er octobre, d'accord, et non le 6 comme il se fait d'habitude. Donc ce qui fait que ça a été changé. Donc ils ont eu forcément plus de temps. Dès le premier wipe, ils ont commencé à construire la base, à installer une quarry et de pouvoir commencer la base. Donc par contre, ça va être Zobins qui va expliquer un petit peu comment ça s'est passé les 7 premiers jours, parce que les 7 premiers jours, malheureusement, j'ai eu énormément de travail et je n'ai pas pu jouer sur Rust. Donc ce qui fait qu'ils ont commencé à faire la base, ils n'ont pas trop avancé parce que je voulais quand même enregistrer et vous montrer un petit peu l'évolution. Mais je vais laisser donc Zobins vous expliquer comment il a fait pour avoir le métal HQ, comment il a fait pour améliorer autant la base en si peu de temps, et également comment il a fait pour craft toutes ces balles qu'il y avait donc dans les coffres. Zobins, je te laisse, en attendant, je vais fouiller un petit peu les alentours. Pas de soucis. Bon, déjà, comme tu l'as dit... Désolé, excusez-moi, au moment où c'est Zobins d'expliquer, le jeu a crashé subitement, je sais pas pourquoi. Donc, il voulait pas m'écouter. Non, c'est ça, donc ce qui fait que le temps que je me connecte, vu que c'est long pour se connecter sur Rust, il fait nuit, donc le temps que je cherche des mines et des choses à faire, à couper du bois, etc., Zobins va vous expliquer depuis le début, vas-y. Bon voilà, le wipe a eu lieu le 1er octobre 1995, on va dire ça comme ça. Mais du coup, nous avons farmé beaucoup. Et on s'est installé dans la grotte qui était à côté de la boule. Sachant que à la saison 1, on avait trouvé quelques spots au niveau des quarries de haute qualité de métal. Et donc on a beaucoup farmé les airdrops au moment où il n'y avait pas énormément de personnes, c'est-à-dire dans la nuit du 1er au 2e. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, avant que je sorte la vidéo donc l'ouverture du serveur, il n'y avait pas grand monde, on était 5, 6, 8 maximum. Et le 1er octobre, donc le jour du wipe, qui n'était pas donc le 6 habituel, il n'y avait pratiquement personne, ce qui fait qu'on pouvait aller à la base militaire, à la boule, etc., en toute tranquillité, et donc avoir le plus de loot possible, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des facilités pour ça. Donc on s'est installé dans la grotte tranquillement avec Minard, Thomas et d'autres personnes, et nous avons mis en place des quarries. Donc les quarries, nous les avons fait tourner toute la nuit, nous avons caché des coffres un peu de partout parce qu'on avait en même temps deux bases, parce qu'on se préparait à construire une immense base pour accueillir Ezor et d'autres personnes. Et il s'est passé, pendant qu'on dormait et pendant la journée du vendredi, on s'est fait raid notre grotte et on se l'est fait pris. On nous l'a prise. Du coup, nous, ayant un peu ragé, nous avons décidé de faire une pause sur cette grotte. Et on est parti ailleurs. On est parti faire une base cachée, mais complètement cachée, derrière des collines. Enfin voilà, derrière des collines. Et pendant la nuit du lundi, je crois que c'était... Ouais, c'était pendant la semaine, parce qu'on s'est dit, si on veut rattaquer Rust, il faut qu'on y aille à fond. Donc pendant la nuit, on a rushé Rust, on a fait tourner deux quarries de métal de haute qualité et une de pétrole pour pouvoir fournir le carburant. C'est ça, et pouvoir continuer à avoir des minerais de haute qualité. Voilà, et en même temps, on était en train de farmer le bois, la pierre. Et voilà, et on arrête en même temps, entre temps, quelques petites maisons qui étaient... entre guillemets ouverte, il nous fallait juste une roquette, et vu qu'on avait chopé un lance-roquette dans la boule, c'était assez simple. Et pour revenir à l'histoire du BP de l'éolienne et du grand... Ce qui m'a posé le plus de soucis, avant qu'il explique, il y en a beaucoup qui... Il y a des gens qui disent... Oui, voilà, ouais. Que je me suis give l'éolienne, parce qu'en fait...
Le seul moyen à l'époque, il y a quelques temps, de pouvoir avoir cette éolienne, justement, c'était de se le donner en give, et il n'y avait que les admins des serveurs qui pouvaient se le donner. Donc ce qui fait que beaucoup ont pensé que je m'étais donné l'éolienne pour pouvoir l'avoir, donc que ce serait plus avantageux pour moi de l'avoir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que non, je me le suis pas donné. Déjà de une, si je me l'étais donné, ça aurait été pour vous la montrer, vous montrer comment elle marche, mais pas juste pour la garder pour moi, sachant que, comme je vous l'ai dit, seulement les admins peuvent se donner l'éolienne. Donc, si je suis assez intelligent, juste fais gaffe quand tu respires, t'as le micro qui est collé au nez. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Si j'étais assez intelligent, je vous aurais pas montré l'éolienne, ou au pire, je vous l'aurais dit, je me le serais donné. Parce qu'obligatoirement, comme ça s'est passé, vous avez deviné que l'éolienne, on peut se la donner que en se givant. Donc, ça aurait été complètement stupide de ma part, vous l'auriez de toutes les manières deviné. Donc non, ce n'est pas le cas, même moi j'ai été étonné parce que c'était la première fois que je voyais une éolienne sur Rust, car on ne pouvait pas la trouver. Donc ce qui fait que maintenant c'est Monsieur Zubins qui va expliquer comment vous l'avez eu. Voilà, donc on était parti à la boule en train de chercher du stuff comme d'hab. Et Minar me dit, oh qu'est-ce qui se passe, j'ai trouvé un truc bizarre dans un bidon. Donc je descends et tout, il me fait « Oh, tu vas jamais me croire. » Et il me sort quoi ? Le BP de l'éolienne. Du coup, il l'a appris et on l'a craft. Mais il s'avérait que on a cherché pendant au moins une demi-heure à côté de notre base pour essayer de la placer. On n'y arrivait pas, donc après, est-ce que... Non, il faut un support en fait, on m'a expliqué qu'il fallait un support pour installer l'éolienne. Bah, nous on savait pas, on n'a pas fait non plus de recherche sur internet, on n'a rien fait, on l'a laissé dans les coffres. Et pour le grand truc d'eau là, le récolteur d'eau, pareil dans la soirée, c'était dans la ratome il me semble, on l'a trouvé, on l'a appris et on l'a craft, mais pareil, on savait pas comment l'utiliser. J'ai remarqué que dans tes commentaires, il fallait l'utiliser en fait dans le robin. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et non, comme dit Ezor, sur le serveur, il n'y a qu'un seul administrateur, c'est Ezor. C'est ça. Il n'y a personne d'autre. Et en plus, tout ça, c'est eux qui vous le racontent parce que moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Donc je ne leur ai rien donné. Et donc, ce qui fait qu'avec tout le fer que vous avez pu récolter avec les deux quarries, vous avez pu comme ça améliorer toute la base en fer de haute qualité. Donc c'est grâce à ça que vous avez pu améliorer tout ça, quoi. Et même les poteaux et... ça, on a vraiment farmé toute la nuit, toute la journée, les deux trois jours de fin de la semaine, le 5 et le 6 en gros. C'est ça. Et au moment où Ezor revenait il était revenu de son week-end, et bah il avait vu l'avancement et on lui avait préparé une petite surprise en disant qu'on avait beaucoup avancé. Ah oui, j'étais voilà. Agréablement surpris, mais j'étais surpris que vous ayez réussi à avancer autant avec pour avoir donc la base en fer de haute qualité. Donc bon, bah, j'étais plutôt content justement, parce que c'est vrai que c'est assez dur, et pour les quarries de haute qualité, c'est assez dur d'en avoir. Donc j'étais agréablement surpris, ce qui fait que de suite après, bah, j'ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution, et que j'avais envie voilà de vous montrer un petit peu tout ça. Et c'est là qu'après la journée, j'ai sorti la vidéo, et 5h, 6h plus tard, donc je vais voir ma vidéo, et je vois les commentaires donc à partir de l'éolienne, et que je me gif parce que c'est pas possible de pouvoir se donner, qu'il faut que j'arrête de vous prendre pour un... J'ai cru entendre des armes. Qu'il faut que j'arrête de vous prendre pour des imbéciles, etc. Donc je veux vraiment maintenant parler de ça. Alors au niveau des admins, je suis le seul admin du serveur. Vous pouvez le voir justement quand j'écris dans le chat, mon pseudo est en vert. Il n'y a personne d'autre sur mon serveur qui a le pseudo en vert. Et pourquoi je vais être le seul admin? Justement pour éviter que certains puissent se donner des items, parce que c'est toujours tentant de pouvoir se donner un petit truc par-ci par-là, et je ne veux pas avoir de soucis par rapport à ça. Donc ce qui fait que si au cas où j'ai 2-3 admins sur le serveur et qu'il y a suspicion de give, je ne pourrai jamais être sûr, d'accord, sachant que même avec MTX Serve, il y a les logs, on peut voir un petit peu la console, tous ceux qui se donnent des give, sauf qu'au bout d'un moment, ça disparaît, hein, ça disparaît. Donc imaginons que je me connecte pas d'un jour sur le serveur, ce qui s'est passé durant la journée, je peux pas le savoir. Normalement, après je sais pas s'il y a des fichiers qui sauvegardent tout, vraiment tout, ça je sais pas du tout, je me suis jamais renseigné, mais c'est possible, après je sais pas. Donc ce qui fait que voilà, c'est pour ça que je ne veux
qu'il n'y ait personne d'autre admin pour ça, et aussi que je me give pas, justement, parce que ça enlève une partie, justement, de l'intérêt du jeu, et c'est surtout, c'est que c'est désavantageux pour les joueurs. Je fais extrêmement attention de ne pas, de faire attention que vous puissiez comprendre que je me give pas, parce que je n'ai pas envie d'avoir cette image-là, parce que je ne veux pas. Et pour le stack de balles, vous avez vu énormément de stacks de balles dans le coffre. Si je suis un minimum intelligent, on va dire que si je me give, ce que je me give, je vais le cacher dans un coffre que je ne montrerai pas en vidéo pour justement éviter toutes ces suspicions. Si je suis, on va dire, con, ça veut dire que je vais mettre toutes mes munitions dans un coffre et ensuite je vais vous les montrer. Ce qui fait que, certes, il y avait énormément de stacks, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont raid des bases et ensuite on a toujours les BP. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu le wipe, mais on a toujours les anciens BP de l'ancienne map, d'accord? Donc ce qui fait qu'on peut avancer très très rapidement, c'est-à-dire que le deuxième jour ou troisième jour, on peut déjà avoir par exemple des munitions de calibre 5,56 haute vélocité. On peut également crafter le C4, bon, un peu plus dur parce qu'il faut quand même le temps de se lancer, mais on a déjà tous les BP de base. Enfin, je crois qu'il m'en manque quelques-uns, mais en tout cas, on les a pratiquement tous. Ouais, donc, c'est pareil pour moi. Voilà, donc c'est fait qu'on est déjà avantagé. Donc si je me give, je vais pas vous montrer des énormes stack de munitions ou n'importe quoi dans les coffres, sachant que vous allez forcément me suspecter, ce serait complètement stupide. Donc la meilleure façon que je puisse vous cacher ça, c'est justement de ne pas vous montrer mes gifs et de les mettre dans des coffres cachés. Donc ce qui fait que, vu que pour moi ce n'est pas des gifs, c'est des choses qu'on a eu légalement, je vous les montre comme ça, il n'y a pas de souci, parce que justement c'est hyper important, comme je le dis, pour moi, que je me fasse pas suspecter de give, même si je sais que j'ai vu dans des commentaires que pour certains ça dérangeait pas, alors je comprends pas pourquoi, parce que justement c'est désavantageux pour vous, parce que si vraiment ça vous dérange pas, je peux très bien me faire me give sans C4 et aller vous péter votre base, il n'y a pas de souci, mais non, ça marche pas comme ça. Donc ce qui fait que moi je veux vraiment être droit là-dessus. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour être clair avec vous. J'ai pas envie d'avoir cette image-là, même si je sais que pour certains vous allez me dire: mais qu'est-ce que tu t'embêtes, Ezor, t'as même pas justifié. Pour moi, si, je trouve que c'est important. Si c'était pas important pour moi et que justement je m'étais give, j'aurais même pas fait cette vidéo. J'aurais fait genre de contourner le truc et de continuer mes vidéos, mais non. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, pour vous expliquer tout ça, que voilà, je suis le seul admin. Minar et Zubin, ce ne sont pas admins, ils ne peuvent pas se give, et que je me suis rien donné, et que l'éolienne, on l'a eu donc légalement. Également aussi le BP de l'éolienne, un joueur de mon serveur l'a trouvé. D'accord? Il a lui aussi réussi à trouver le BP de l'éolienne, donc je sais pas, peut-être qu'il y a des serveurs qui ne l'ont pas encore. Peut-être que d'autres oui, je sais qu'il y a certains serveurs qui bug. Moi je sais qu'il y a quelques jours il y avait des bugs par rapport au code, comment ça s'appelle là, les digicodes. Il y avait des bugs sur mon serveur des digicodes, et sur d'autres il n'y en avait pas. Donc vous voyez, des fois sur certains serveurs ça peut changer. Donc ce qui fait que peut-être que sur des serveurs vous n'avez pas le BP de l'éolienne, et peut-être que sur d'autres si, je ne sais pas. En tout cas voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, c'est très important pour moi de mettre les choses au clair, que je ne me give rien. Alors c'est vrai qu'on m'a dit: tu montes jamais quand tu vas farm, ni couper du bois. Alors pourquoi je ne le fais pas? Parce que c'est vrai que, alors je le fais pas tout le temps, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas une des choses les plus importantes, enfin une des choses les plus sympas à regarder en vidéo. C'est pour ça que je vous mets tout le temps les choses les plus intéressantes. C'est genre construire une base, faire des attaques, ou aller découvrir aller fouiller un petit peu les bases militaires. Mais au niveau des farms, comme je suis en train de faire, je le fais en vidéo, je le fais pas, parce que j'ai peur que ça vous saoule et que vous passiez à autre chose. Donc ce qui fait que je le mets pratiquement pas. Je vais le mettre un peu plus, comme ça au moins ça va vous rassurer. Donc ce qui fait qu'il y a des moments, je vais montrer les moments où je farm. Je mettrai pas 10 minutes de vidéo où je farm, parce que c'est quand même lourd. Mais je mettrai peut-être 5 minutes ou un peu moins, où je farm un petit peu de la pierre comme je suis en train de faire là. Au moins comme ça, ça pourra déjà rassurer plusieurs. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi la base était en fer de haute qualité. Et je pense que c'était très important pour moi de vous parler de ça. Je te remercie Zubin d'avoir pris 10 minutes pour pouvoir leur expliquer comment ça s'est passé. Donc ça faisait déjà depuis une semaine qu'il jouait sur le serveur au moment où je vous ai sorti la vidéo. Je me suis pas donné l'éolienne, sachant que je savais très bien qu'on ne pouvait pas, qu'on se le donnait seulement en se givant. Donc forcément vous allez le deviner. Donc si je me l'étais donné, je vous l'aurais dit, et je vous aurais dit c'est pour vous montrer à quoi ça sert. Donc je ne l'ai pas fait, donc c'est quoi, ça serait complètement stupide. Je pense faire, quand il va y avoir l'électricité, je vais me mettre à un endroit sur la map pour montrer à comment
on se sert de l'éolienne et aussi l'électricité. Ça sera en se givant, mais tout ça après je vais le détruire, je m'en servirai pas, ça sera juste simplement pour vous montrer comment on l'utilise. Donc si je me give ou si je fais quelque chose à ce niveau là, je vous le dirai toujours, vous inquiétez pas, je préfère vraiment être clair là dessus. Je vais pas vous gâcher, vous prendre la tête plus longtemps, c'était vraiment pour mettre tout ça au clair. Je te remercie Zobins d'avoir pris 5-10 minutes. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. J'espère que voilà, j'étais clair là-dessus et j'espère vraiment être clair avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Et je pense sortir une vidéo demain ou après-demain sur Rust et l'évolution de ma base parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ciao tout le monde, à plus, bye. Ciao.